Pierre-Antoine, Étienne Hochedé. En catégorie Rhum Multi, la Picardie compte deux représentants pour cette route du Rhum. Deux skippers chevronnés, deux personnalités différentes aussi. C'est la quatrième fois que Pierre-Antoine s'élance sur cette course. Son trimaran, ancienne propriété du navigateur Franck-Yves Escoffier, est bien connu des initiés. Un bateau en bois construit en 1991 et qui a déjà traversé 20 fois l'Atlantique. Et donc le plus confortable quand il y a vraiment un gros mauvais temps, c'est de se mettre sur un sac à voile ici au milieu du bateau. Ça, c'est ce qu'on fait en général, là ou là. Ici, il y a un système de gaz, donc une fois qu'on est là, c'est pareil, hein, relativement protégé par rapport à la sortie. Un peu plus loin, changement d'ambiance. Étienne Hochedé et son trimaran de 1983, l'un des plus vieux de la catégorie. Au confort, sommaire. Nous-mêmes, quand on l'a récupéré, il y avait juste une bannette sur le côté. Là-bas devant, il n'y avait rien. Une petite table à quart dans un coin. Et puis, le réchaud, c'était carrément la petite bouteille posée, et puis on posait par terre. Bon. Son bateau, ce garagiste à la retraite, l'entretient et l'améliore sur ses fonds propres, sans sponsor. Un trimaran entièrement en aluminium, classé d'intérêt patrimonial. Bah, il est quand même vachement plus sécurisant que que les derniers bateaux. Quoi. Il a des petits flotteurs. Bon, si on est trop toilé, on fout le flotteur dans l'eau, on décolle pas. Quoi. Quand on voit les nouveaux bateaux, il faut savoir lever le pied quand il faut. Hein. À 62 ans, Étienne Hochedé a déjà réalisé 8 transatlantiques et terminé 5e de la route du Rhum il y a 4 ans dans sa catégorie. Un authentique exploit qu'il se verrait bien reproduire. Ça fait du bien. Ouais, ça reste du sel. J'étais content parce que j'ai fait une belle course, un peu plus de 18 jours, donc c'était super pour ce bateau. Je pense qu'avec des bonnes conditions, on peut encore faire moins. Donc on va voir si on peut faire moins cette année. L'édition 2014 est en revanche un bien mauvais souvenir pour le géologue de profession Pierre-Antoine. Destin croisé, lui a été victime de la foudre, son bateau sévèrement endommagé. L'Amiénois a dû être élitreillé. Il revient cette fois pour s'offrir une revanche. Ne pas finir la course, se retrouver au bout de 48 heures à terre, sans rien, c'est avec un projet qui est tombé complètement en ruine. Ça, c'est effectivement difficile. Hein. Après, il faut surmonter, il faut repartir, reconstruire. Et sur ces bateaux-là, en fait, c'est la recherche d'une certaine harmonie entre le bateau, la vitesse, la mer, etc. Et quand tout ça est bien calé, qu'on va... Là, c'est vraiment un bonheur assez immense, et c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on y retourne aussi. Quoi. Cette fois, Pierre-Antoine espère lutter pour la victoire, et si tous les éléments sont réunis, il pourrait même y avoir deux Picards dans le top 5 final à Pointe-à-Pitre. Le Pierre-Antoine fait du trimaran depuis plus longtemps que moi déjà. Vu sa qualité, il doit être devant. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il navigue bien, il navigue dur, donc on va le surveiller aussi. Quoi. Les dernières prévisions météo n'incitent pas à l'optimisme. La course devrait être difficile. Dans la catégorie Rhum Multi, le record à battre est de 17 jours, 7 heures et 6 minutes.